Bonjour mes amis, bienvenue sur ton chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr, la radio RDC.fr, la radio Agora, la radio Dani, la radio Puissance Max. Pour notre lundi 20 septembre, notre quartier aura lieu sur le très bel hippodrome de Fontainebleau. Par contre, dans la réunion à course 1, départ vers 13h50. Par contre, ça va être un quartier qui va être très difficile à trouver sur la très très courte distance de 1200 mètres. Mes amis, attention, c'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Pop, parti. Donc, j'ai fait aussi deux nouvelles rubriques maintenant que vous allez retrouver tous les jours sur mes vidéos. J'ai mis en place le jeu Le Multi que tout le monde connaît et j'ai incrusté également sur ma vidéo le jeu Mon Tout à Fait. Voilà, que vous allez retrouver tous les jours également avec mon pronostic. Donc, pour notre 4 très difficile de notre début de semaine, j'ai placé en tête de ma sélection le 8 bi. Aïd, qui sera mon cheval du jour pour ce quartier. Elle est très régulière, c'est un très bon point d'appui. Je lui oppose le 11 Red Torch, sera ma deuxième base d'appui à faire ses preuves dans cette catégorie. Voilà, il peut venir prendre aussi de très 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 belles places. Le 16 Anatia sera ma troisième base pour ce quartier. Elle aussi est plutôt pas mal, progresse au fil de ses courses, c'est un bon outsider, c'est pour ça que je l'ai peut-être placé assez haut dans ma sélection, mais attention, ça veut dire faire afficher de très 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 belles cotes. Le 2, Bakoel Kofi, que tous les tourfistes connaissent, sera ma quatrième base, à retrouver un poids qui lui permet de viser de petites places sympas. Donc mes quatre bases pour notre 4 est très 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 difficile. Le 8, le 11, le 16 et le 2. Ma deuxième partie de sélection, le 6, Bailey Blues. Bon, très très gros coup de cœur. Peut venir faire afficher de très très belles cotes. Le 9, Light Wake Up. Attention à ce cheval qui sera un peu ma découverte pour ce quartier. Pas si évident que cela à trouver en notre début de semaine. Attention, il peut venir faire afficher de... Ce sera peut-être lui la surprise. Le 4, Ivresse, mon coup de folie pour ce quartier. Le 10, Red 50 sera mon coup de poker pour ce quartier. En cas de don partant, le 7. Bon, très gros regret, mais il faut bien choisir. Donc, mon cheval du jour, le 8, mes deux bases. Le 8 et le 11, mon très gros coup de cœur. Le 2, mes amis, attention. Ensuite, mon coup de folie, le 4, et mon coup de poker, le 10. Mes 2 sur 4, le 8, le 11 et le 16. Mes couplets gagnants placés, le 8, le 11, le 16 et le 2. Je répète ma sélection, le 8, le 11, le 16, le 2, le 6, le 9, le 4 et le 10. En cas de non partant, le 7, mes deux nouvelles rubriques, mon multi du jour, le 8, le 11, le 16, le 2, le 6, le 9 et le 4. Mon jeu, le tout à fait, que tout le monde connaît, qui arrive maintenant dans ma vidéo, le 8, le 11, le 16, croix, 2, entre parenthèses, le 6, le 9, le 4, le 10, le 7, le 12, le 1 et le 15. Voilà, retrouvez bien sûr mon pronostic sur la radio la 16.fr, sur la radio RDC.fr. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Orsois, le Pharaon des courses.